Voici un exercice technique tiré de ma méthode de basse. Cet exercice combine un travail sur la main droite, qui est l'aller-retour constant, index majeur ou majeur index, qui a pour but de développer la rapidité. Et un travail sur les modes diatoniques majeurs, par position en jouant 3 notes par corde, en faisant des triolés, ce qui fera un temps par corde. En partant de la note la plus grave de votre instrument, pour ce qui est de la 4 cordes, donc le mi grave. Exemple. Pour ce qui est de la main droite, donc en partant du mi grave en faisant 3 notes par corde, ce qui va nous faire attaquer du mi de l'index, le fa sera donc du majeur, le sol de l'index, etc. Le pseudo corde va se faire avec le majeur, si, do, ré, mi, fa, si, la, si, la. Donc voici les 4 cordes de jouer. Pour l'art, le mouvement donc descendant, on va doubler le si. Ce qui fait qu'on reprend la première note des triolets de croche par l'index. Et on descend, le saut de corde se fera par le majeur, l'index, la dernière note des triolets de croche va être sur le mi grave joué par le majeur. Changement de position et on se retrouve sur la première série des triolets en attaquant encore par l'index. Et ceci sur le fa lydien. Avant de passer au sol avec ce lydien. Donc tout ça joué en triolet. 1, 2, 3, 1, 2, 3. La première note à chaque fois de chaque mode sera attaquée là par l'index parce que j'aurai attaqué toute la série par l'index. Donc si vous faites l'inverse, si vous attaquez par le majeur, vous serez attaqué la deuxième position, le fa lydien par le majeur. Aller-retour constant de la main droite, ça veut dire que même sur la descente, le saut de corde, il va y avoir, même sur le saut de corde, alternance des doigts. Donc la dernière note du triolet est attaquée par le majeur, par l'index, pardon, et la première note du second triolet sera attaquée par le majeur. Ce qui fait que j'ai une alternance constante. Index majeur ou majeur index. Donc moi je vais jouer l'exercice dans sa forme entière, mais en utilisant index annulaire. Parce que c'est l'alternance où je me sens le plus à l'aise. Donc pour ce qui est des basses à 20 cases, j'irai jusqu'au ré, à la 19e, avant de redescendre. Et pour ce qui est des basses à 24 cases, jusqu'au sol. Voilà. Donc l'exercice, je vais le faire index majeur. Index, pardon, index annulaire. Donc pour ceci, j'ai un métronome à 140 à la noix et j'envoie l'exercice. 1, 2, 3, 4. Thank you.
Donc on a Do majeur. Voilà ce qui est pour ce qui est de la première forme de l'exercice. La deuxième forme consiste à non plus partir de la note la plus grave, mais partir de la note la plus aiguë du mode. Donc qui est constamment, pour ce qui est de la 4 cordes, vous avez de la fondamentale de chaque mode jusqu'à la quinte. De Mi à Si, de Fa à Do, de Sol à Ré, de La à Mi, etc., etc. pour chaque mode. De la fondamentale à la quinte. Enfin, à la quinte à l'octave, ce qui fait la 12e. Donc la deuxième forme de l'exercice, c'est de ne pas partir donc par la note la plus grave, mais par la note la plus aiguë. Ce qui va nous donner... Donc, à tempo. Donc, et pour la descente, même chose. Donc, vous allez partir de la note la plus aiguë de votre mode. Donc, je vais partir de Sol, ce qui fait que je vais partir en Do ionien. Voilà, etc. jusqu'à la fin. Pour la troisième forme de l'exercice, c'est de ne faire que le mouvement ascendant. Je m'explique. À partir du Mi phrygien. Fa lydien, Sol mixolydien, Sol, le La mineur, Si locrien, Do ionien, et pour la descente, donc partez de la position la plus haute de votre instrument. À tempo, 1, 2, 3, 4. Pour la descente, exemple, 1, 2, 3, 4. Quatrième forme, ben, comme vous le présentez, c'est de partir par la position la plus haute du mode 3, 4. Donc pour la descente, hein. Do majeur. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est combiner les deux. La montée. Donc, monter le mode phrygien, descendre le mode lydien, monter le mixo, descendre l'aéolien, etc. Ensuite, vous faites l'inverse, vous descendez le mode phrygien et vous montez le mode lydien. Donc, avec tout ça, vous pouvez vous trouver vous-même vos propres exercices. Donc, à la suite, prochain rendez-vous pour un autre épisode.